Hey, les gars, arrêtez tout ce que vous faites. Il y a Sissi Blissi dans le bac. En fait, Esseni vient de me donner une gifle et vous allez comprendre pourquoi je parle de gifle. Vous allez comprendre dans la chanson pourquoi je parle de gifle. Je ne pouvais pas rester de marbre face à cet exploit de Esseni, franchement. J'ai kiffé la nouvelle sortie de Esseni en featuring avec We Stand the Nigga. Il s'agit de Ghetto B. Peut-être un son qui a été réalisé avant que Ghetto ne reparte. Mais quand même, j'ai trop kiffé ce que j'ai écouté la première fois et j'ai voulu vous en parler à chaud. Tu vois un peu, là, je transpire. On va l'écouter à chaud. Je vous ai dit, elle m'a donné une gifle. Vous allez comprendre. Ghetto. Allez, les balous sont dans la place. On commence déjà à mettre dans les commentaires ce qu'on pense. Parce que bon, voilà quoi. Allez, on y va. Yeah. Esseni Ghetto B. Ouais. Bon, ça, fallait s'y attendre un peu à ce featuring, hein, parce que on se rappelle quand Ghetto B avait validé ou bien avait fait une vidéo à Esseni, tout ça, comme quoi elle est forte et tout. Donc, je pense que cette connexion a dû se faire très rapidement. Alors, le titre, c'est Level Up, quoi. Tu vois un peu? Alors, une chanson qui a le titre Level Up, ça m'étonne pas que Ghetto B soit déçu parce qu'il parle tout le temps de Level ID. Allez, on y va. Kabash image, mes amis. Tchou! Yeah! Ah! Écoutez! Je vous ai dit que Esseni m'avait giflé. Vous avez entendu? Réécoutez bien. Bon, vous savez quoi? J'ai l'impression que je n'écoute pas bien. Donc, on va faire ça comme ça. D'accord? Allez, on y go! En fait, est-ce que vous voyez un peu le flow, genre, c'est... Hey, j'étais surpris à la première écoute. Waouh, ça c'est du SCI. Waouh. Si tu blesses, go, j'allais prendre mon corps. Énergie à la corps. Puis la team de ma danse, ma ouïe les défenses. Le temps où les viseurs, les mains, au moins y avait mon corps, kéké. Bon, Esseni, tu vas me dire dans les commentaires, faire de leur promo ni cadeau là. Est-ce que tu parles de qui? Tu parles des haters ou bien tu parles de nous qui faisons ta promo? Cadeau. Non, je blague. Alors, je rappelle que le clip vidéo a été réalisé par Kabash Image. Hein. Vous-même, vous voyez la qualité d'image. On ne parle pas trop. Ghetto, we stand the nigga. Ah, ok, si bon, on va y ça. Et bien, les deux à quoi, pour le faire. Non, ne pas moi, mais pour le faire. T'as les gens, tout vous n'en l'eau. Même mon projet, pour le faire. Nous, qu'on sous sans vame. Et qui m'a ou deux, vame. Ma wapé, tout a changé. Autre, il n'y a BTP. Si qu'on souhaitait, n'a rien. Autre, il faut PPP. Bébé, c'est un coach, il y a, c'est autre, laissez PPP. Voyage, qui est John Awa. Mille ou est PPP. Ne pour rester ni mille presse. Bénédiction, les promesses. Mais quel bayo l'engra et au bayo n'a goumé promas ma. Hey les gars, j'adore le refrain, surtout le refrain là. Oh, j'adore le refrain. Ah! Dans le game au
Mais c'est venu à la gare, mais les casques standing. Oh. Wow. Franchement. Wow. Et c'est ni. Bravo. Mais j'ai trop kiffé ce que j'ai entendu, en fait. Surtout le refrain, c'est... En fait, c'est... Ça, c'est réellement sorti de sa zone de confort. C'est vrai qu'on sait que Esseni revendiquait un peu le fait d'être best rapper, Sissi Blissi et tout. Bon, on avait tendance à ne pas la prendre au sérieux, mais là... Après, si tout est... Drouet, tout ça, on pensait qu'elle avait viré dans la Mapiano, l'ambiance et tout, mais là, c'est... J'allais. Elle a un flow. Elle envoie du loup. Mais surtout le refrain, les gars. Waouh. Regardez comment elle est dans le beat. Elle a assuré. Franchement, faut pas dire trop. Bon, on a foutu Togo. Donc, no kafumi, parce que je tiens les no kafumi, les Togo, ya quoi. Blakoumi, on après. Mais c'est bien quand c'est bien, faut le dire. D'accord? En tout cas, félicitations, Esseni. Les gars, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce son de Esseni. Level up. Franchement, le level a augmenté. Ça. Je te l'accorde. Non, sérieusement, ça, je te l'accorde. Le level a augmenté, c'est parfait. C'est juste top, quoi, tu vois. Le beat, top. La réalisation, Kabash, top. La collaboration avec Ghettovi, top. C'est cool. J'adore. Allez, je mets dans ma playlist vite fait. Moi, je suis comme ça, hein. Quand je kiffe un son, je mets dans ma playlist. Je déchire ça sur des journées et puis... Si le son est réellement bon, petit nom, cabo. Voilà, ce sont les 2 jours, petit nom. Donc, on va voir un peu combien de jours. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà. Dites-moi également, quelle est la punchline de Sissi Blissi, c'est-à-dire de Esseni qui vous a le plus marqué. Mettez ça dans les commentaires. Et puis, on va reparler de ça également dans les commentaires. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Il y a beaucoup de sons qui sortent. Franchement, on va le faire très souvent comme ça. Le talent au Togo et en Afrique. Ça manque pas. Dans le game au Bémazoya, plutôt Moujolé, bébé, moi je voyage. Amoulé, Jigézi, et aussi Kouyaka, et les Oskis. Ghetto! Ok, dis bon, va y ça, et ben les doigts, pour le faire. N'en fais, on doit vivre encore. Ancien garçon, on sort bleu.